Yo les gens, c'est AcuroGaming. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va visiter une ville moderne. Comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, ou plutôt dans le titre, voilà. En fait, cette ville, c'est Mycura City. Donc je l'ai trouvé sur Planète Minecraft. Donc vous trouvez le lien pour la downloader dans la description. J'ai visité un petit peu, donc elle est très 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 grande, avec beaucoup 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 beaucoup, bah voilà, vous avez compris, beaucoup de buildings. Donc il en a infinité, infini presque. Donc je sais pas pourquoi commencer. On va faire un fly avant. Je crois qu'on irait visiter cet immeuble. Donc ici les ok, le plafond il est d'accord. Bon, on va aller visiter celui-là. Il m'a l'air très. Moi, je vais arrêter avec les traits. Avec. Il a l'air. Ça, c'est quoi ça? Obsidienne. Ok. Mon texture pack. Donc, on entre à l'intérieur. Waouh! Ta-ta-ta-ta-ta. Alors là. Très. Très joli. Très joli intérieur. Voilà. Les petits drapeaux du japonais, parce que celui qui l'a fait, c'est un japonais, parce que j'ai pas été capable de dire son de retenir son pseudo, parce que voilà, des ching tang tang, des sons comme ça là dans un pseudo, c'est compliqué à retenir. On va y aller. Comment on fait pour aller au deuxième étage? What? Je crois que ça a bugué, ou ben il a oublié de mettre des escaliers là. Parce que voilà, parce qu'on peut pas accéder à cet étage-là ni lui. Bon, ben, on va y aller quand même, voilà. Ok, je sais pas trop quoi dire. C'est ça, je sais pas c'est quoi. Là, ce petit truc, c'est quoi ça? C'est une petite affaire, des petits bancs ou des tables, je sais pas. Ici, nous avons un truc. Ok, ça c'est quoi ça? C'est une vitrine. Peut-être qu'il y a des petits magasins ici. Non. Ah, avec un villageois. Ça c'est le vendeur. C'est celui-là qui vend. On va le jeter par la fenêtre. Bye! Il est mort. On ferme la vitre comme si de rien n'était. Voilà. Bordel. Comme ça. Oh, gros lag. Là, je sais pas où que je suis ici. Moi, je casse les murs. Je sais pas, on peut-tu monter en haut? Ouais, on peut. Ok, on peut. Ah, un autre villageois. Salut. Qu'est-ce que tu me vends? Oh, 26 papiers contre des émeraudes. C'est quand même un bon achat. Oh, gros lag, putain. Oh putain, attends, je vais checker mes FPS. Donc 27, 26. Si je bouge comme ça fait baisser. Encore. Ouah, on s'amuse à faire laguer. Donc 10 FPS. Ah non, moi je vais pas aller sur le toit, je vais aller à l'autre, le dernier étage. Donc, ah, c'est très joli quand même. Ouais, c'est joli. Très joli. Avec un petit mur, je sais pas pourquoi. Ok, c'est le petit truc, voilà. Donc là, je me suis mis un chronomètre, parce que si vous avez écouté mon ancienne, parce que là, ça c'est la deuxième vidéo que je fais, je visite une map, et vous vous rappelez sûrement que ça avait coupé au milieu de la vidéo, parce que Bandicam lag, voilà. Bandicam ne prend pas plus que 10 minutes, donc là j'ai apporté mon chronomètre. Donc là, je suis rendu à 4 minutes et 30. Voilà. Donc lorsque ce sera à 10 minutes, ben je vais faire une coupure et on reviendra, voilà. Donc là, on continue la visite. Ici, une petite table, une salle de réunion. Donc là, un stade, waouh. On a vraiment une très belle vue. On va aller voir le stade. Je vais aller juste sortir. Donc là, normalement, Minecraft ne lag pas, mais je sais pas pourquoi je le lag. Peut-être c'est à cause de Bandicam. Ouais, on va sortir.
Ouais, c'est quand même assez haut. Bon, on va aller au stade. C'est un stade de... Je sais pas. De... On va aller à l'entrée, par l'entrée principale. S'il y en a une, ouais, ici. Encore le villageois. Tiens, je vais voler à la place. Voilà. Qu'est-ce que c'est que... Ok, les bancs sont tout là, mais là, ici, c'est... D'accord. Ça ressemble à du soccer, ou plutôt du foot, comme vous appelez en France. Sauf que les lignes sont pas faites. Je sais pas pourquoi. Ici, vous avez un écriteau en jaune. Makura. Makura. Bon, il a oublié le point sur le i, mais c'est pas grave. Ici, un genre de bâtiment usine moderne, je sais pas. Oh, attends. Je vais checker notre temps. Ok. 6 minutes. Ok, je sais pas c'est quoi. Là, déjà, il est très très joli l'intérieur. Moi, j'aime ça, les grands espaces ouverts, ça fait vraiment très très joli. Je dis tout le temps très joli, mais je sais pas quoi d'autre dire. Avec un tableau là. Ici, peut-être une salle de détente, je sais pas. C'est très joli. Oh, putain. Faudrait que j'arrête avec ce mot. Ah, je peux plus courir. Ok. Ok. Je sais c'est quoi. C'est une salle de spectacle. Une salle de spectacle. Et ici, les haut-parleurs. Qui font très bien avec mon texture pack. Que je mettrai dans la description. Pour le download. De le downloader. Ici on peut sortir pour aller dans les loges des artistes, je crois. Non, c'est pas ça. Ouais. Ok, ça c'est la billetterie. Je vais retourner juste pour voir. Ok, là on est à 7 minutes 17. Voilà. Oh, ok. Ça c'est les sorties. On veut pas sortir nous autres. Ok, encore une sortie. Ici une porte pour aller sous la salle. Ici c'est bloqué, peut-être qu'il y a un petit truc. Ah ok, c'est tout. D'accord. Là je lag à mort. 8 minutes. Et ça c'est quoi? C'est l'entrée en fait. On va sortir par le plafond. Voilà, très belle salle de spectacle. GG à celui qui a fait la ville. Ouais, vraiment GG, parce que faire tout ça, voilà, c'est tellement grand. Tu sais, on se tourne puis on voit des gratte-ciels partout. Voilà. Ici un autre gratte-ciel. Peut-être qu'il y a un métro dans cette ville. Je vais essayer de voir s'il y a une station. Peut-être sur le bord de la route. Un petit monument. Ah, ça c'est... Ok, ça c'est le métro. J'ai trouvé, je crois. Oh, c'est quoi là? C'est quoi ce bâtiment? Il a l'air très cool. Ah non, il mouille. Putain. Je vais enlever la pluie parce que ça fait laguer encore plus. Water clear. Ah non, il a blacké les commandes. C'est pas grave. Ici des... Alors là, c'est quand même assez joli ce bâtiment. Je sais pas c'est quoi, on dirait plus un centre commercial. Il y a aussi quelque chose en... Ok. Oh, c'est vrai mais... Oh putain, ok là il faut que je coupe. On se revient, on se re... Je coupe dans 30 secondes, le bandicam va arrêter. Donc, en fait, vous, ça va être tout de suite, que vous allez voir. Là, je me roule, il reste 20 secondes. Et que... voilà, je fais une coupure, voilà. Re les gens, donc, je suis pas au même endroit que tout à l'heure. En fait, j'avais oublié de... J'ai parlé de... tout seul pendant 10 minutes parce que j'avais oublié de re... ben
En fait, j'ai réappuyé, mais je sais pas pourquoi la bandicam a pas démarré. Donc, en fait, la vidéo était comme finie. J'espère que vous comprenez. Après la coupure, j'ai redémarré bandicam. Ben, j'ai appuyé pour starter la vidéo. Et mais bandicam n'a pas démarré. Pourtant, j'ai appuyé sur la touche F12. Et putain, ça a pas marché. Donc voilà, on se retrouve encore à un autre endroit. J'espère que ça vous dérangera pas. Je vais essayer que ça n'arrive plus. Donc je vais toujours regarder si Bandicam est bel et bien starté. Voilà. Donc j'ai parlé pendant 10 minutes dans le vide. Donc là, on va continuer. On va aller voir le métro. Parce qu'on n'a pas été encore. Il y a des stations un petit peu partout. Des stations de ce style-là. Voilà. Donc on va aller prendre le métro parce que on veut pas aller se faire chier à marcher tout le long. Plutôt voler. Là ici on peut prendre un billet, non? Y a rien. Non. Ici vous avez un... où c'est qu'ils prennent les billets. Donc en fait vous prenez votre billet. Et ensuite, vous le mettez dans la petite machine. Et ensuite, ça vous ouvre la porte. Voilà. Et ici, vous avez des petites boutiques. Une boutique de livres, une boutique de d'armure. Voilà, un autre escalier. Donc, on va aller prendre le métro. On descend en bas. En bas, en bas, en bas. Ok. Il n'y a pas de... Là, il doit avoir un sens pour y aller. Donc, en fait, on va de ce sens-là. Ok, moi, je vais aller de ce sens là-bas. Je vais essayer peut-être d'aller à l'aéroport. Putain, ça marche pas. Non, 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 putain. Putain de bordel. Attendez, je vais avancer. Puis sur la touche pour avancer. Hourra, je fais du Minecraft. Donc voilà, ça marche. À moitié. Mais avance, putain, avance, avance, avance. Putain, ça lag à mort. Je vais juste... Voilà. Voilà. Non, 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 faut pas que ça soit la fin du tunnel. Non, pitié. Ici vous avez la station. Ah non putain, ah ça c'est chiant. Ah putain. Il y a pas d'autre tunnel là. Ah voilà. What? Il y a vraiment un autre tunnel. Attendez, je vais mettre de la lumière. Jusqu'où que ça va ça? Putain. Ouais, il faudrait la mettre là. What? Ok, on va revenir à notre petite station du métro. Hein? Ouais, on va sortir, je crois, parce que moi, je suis un petit peu tanné de faire du métro. Oh, putain, à quoi ça sert à mettre une porte là? Ok, on va tout jeter ce qu'on a là. Voilà. On va mettre le feu. Oh merde, merde. J'ai oublié de calculer, de starter le chronomètre. Donc là, je suis là. Je vais starter. Ok, donc là, il me reste 5 minutes approximativement. Ça s'en va ou pas? Voilà. Oh, j'ai entendu un minecart. Oh, oh, le train fantôme. Ah putain. What? What? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Ah! Ah putain. C'est la première fois que je vois ça. Salut l'ami le poulet, tu t'amuses dans ton minecart? Oh, oui. En tout cas, je suis capable d'en faire. Attends, il est-tu parti? Ouais, il est parti. Et pourquoi il revient toujours? On peut en mettre un avec un villageois, je crois. Je vais mettre un mouton.
Voilà. On peut mettre aussi des... un loup, voilà. Bordel. Putain, mince. Non, non, on ne fait pas manger. Oh, oh, regardez. Voilà. Ok, là, je vais essayer de... plus perdre de train. Plus perdre... plus perdre... de... plus perdre de train. Oh putain, on s'en fout. Ok, on va aller visiter cet immeuble résidentiel là, puisqu'il y a des balcons. Waouh, très joli. En fait, le rez-de-chaussée, le port du nain, il n'est pas aménagé, c'est que les étages supérieurs, je crois. On va aller encore et toujours au dernier étage, parce que... ah, on peut aller sur le toit. Parce qu'au dernier étage, on a la meilleure vue du monde. Ok, le paradis des portes boguées. What the fuck? Une porte? Non, c'est pas ça une porte, c'est ça. Bon, on s'en fout. Ici encore un lit. La cuisine avec le petit truc d'eau. Allez, on putain. Voilà. Les petits fours. On va sortir. Et on va suivre. Ensuite, on va aller faire un petit tour de monorail. Je crois que c'est mieux que le métro. On va y aller. Ta-ta-ta. On va y aller par l'entrée principale. Voilà. On entre. Ok, là il me reste... ok. Il reste 2 minutes. Ok, au moins, là ça va être mieux. Bordel. Moi je vais aller par là-bas. Ah, un pont là. Très joli. F5. On contemple le joli pont. Regarder en même temps quand même reste le temps. J'ai pris des screenshots pour mettre pour la miniature de la vidéo. Ok, merci. Ok, on va sortir à la prochaine station. Donc en fait j'ai pas trop visité cette vidéo. Sortir. Ouais, donc dans cette vidéo en fait j'ai fait un petit fly-around, en fait un petit survol de cette zone pour vous montrer un petit peu. Et aussi bah, je vous laisse découvrir la map par vous même. Je vous invite beaucoup à la télécharger. Donc je mettrai le lien dans la description. Voilà, abonnez-vous, likez, voilà, ça fait toujours plaisir. Déjà 30 abonnés, donc à plus.